pour le rinçage des tubes endotrachéaux, on va dans la salle des exotiques. On met les tubes endotrachéaux à l'intérieur du cylindre dans le lavabo. On a préalablement, évidemment, fermé les bouchons des ballons, du ballon pilote. Et on retient les ballons pilotes avec un élastique. Ça permet d'éviter qu'ils rentrent à l'intérieur du cylindre. On va partir le rinçage. Donc, on rince à l'eau courante pendant 5 à 10 minutes. L'intérieur des tubes doit rincer également. Si un tube est trop sorti du cylindre, il ne sera pas rincé à l'intérieur. L'eau circule à l'intérieur des tubes endotrachéaux. S'il y en a un qui est trop sorti, il ne pourra pas être rincé à l'intérieur et ce sera irritant pour l'animal. Donc, on doit le plonger à l'intérieur de l'eau.